Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Une fois n'est pas coutume, on se retrouve dans la forêt. Et ceci, comme l'indique le titre, n'est ni un DSLR, ni une vidéo normale. Il s'agit tout simplement d'un vlog pour titiller l'algo YouTube, et aussi parce que j'avais besoin de vous partager un petit truc concernant la chaîne. Enfin, un petit peu plus qu'un petit truc, mais on va voir ça juste après le générique, en mode sans échec. Alors pour être franc, cette vidéo, je comptais la faire en live avec vous à la fin du mois, mais j'ai compris les choses que j'avais à comprendre bien avant, et pourquoi attendre quand on peut faire les choses maintenant, je m'embourbe tout seul, j'ai pas prévu de texte, enfin si, mais j'ai décidé de faire sans. C'est pas grave. Globalement, pour aller à l'essentiel, tel que je gère la chaîne à l'heure actuelle, est pas la bonne manière. Contrairement aux apparences et à ce que peut laisser croire les vidéos actuelles sur la chaîne, j'ai assez mal commencé l'année en fin de compte. Alors on pourrait se dire, mais en quoi t'as mal commencé l'année, Florian? Je veux dire, les vidéos sortent une fois toutes les deux semaines, elles sont de plus en plus chiadées, tu respectes tes objectifs, t'as déjà fait, si je veux, en une vidéo avec le Picture Show, je peux ratifier tous mes défis caméo avec les personnes. Je rappelle que cette année, je me lance 4 défis, dont un où je fais des vidéos avec d'autres personnes. Pour l'instant, tout semble se dérouler comme prévu. Alors, qu'est-ce qui va pas? En fin de compte, tout réside dans cette petite question, le « qu'est-ce qui va pas ?». C'est cette petite question qui m'a bouffé jour et nuit depuis la première vidéo de l'année où je fais l'abruti dans le camtar et tout ça. Qu'on se le dise franchement, très clairement, de la manière la plus posée et la plus neutre possible, la chaîne Full Frame est une chaîne qui ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Ça ne veut pas marcher, ça veut pas prendre. La mayonnaise veut pas monter. Peut-être que pour vous, ça semble pas grand chose, mais mine de rien, ça va faire 4 ans que je suis sur cette chaîne, et cette chaîne ne monte pas. Pourquoi? Donc ça commençait vraiment à me bouffer et de me dire, mais putain, je mets beaucoup d'énergie dans mes vidéos. Paraît-il que ça se voit, et je vous remercie tout ce temps que vous êtes pour les messages d'encouragement que vous me faites. La qualité et le contenu est toujours au rendez-vous, si j'en crois vos commentaires, mais pourtant, ça ne veut pas prendre. Pourquoi? Je veux pas reprendre le truc de Cyprien, hein, loin de moi, mais un fucking pourquoi? Pourquoi? Donc j'en ai naturellement parlé autour de moi, autour d'amis proches qui ont un regard assez critique pour me donner leur version des faits. Et même si ce n'est pas forcément à chaque fois les mêmes versions, c'est toujours plus ou moins les mêmes choses qui se rapportent à ma chaîne. Enfin du moins les mêmes questions qu'ils me posent. Et dont j'avais jusqu'à présent de plus en plus de mal à justifier parce que je me dis, bah merde, il y a vraiment un problème. Parmi ceux-ci, on y retrouve, ouais, je reprends le texte de base parce que là je me suis un peu embourbé depuis le temps. On vient me dire, mais ta chaîne est peut-être trop technique. A l'inverse, on va me dire, la chaîne n'est peut-être pas assez technique. Le contenu n'attire tout simplement pas assez de monde. Ou encore, et ça c'est ce qui fait le plus mal, on ne comprend pas le positionnement de la chaîne. Et jusqu'à présent, moi ça avait été très clair. La chaîne, concrètement, Full Frame, qu'est-ce que c'est? C'est une chaîne où on aborde tous les sujets qui s'apportent de près ou de loin au monde de la photographie. Tout ce qui peut orbiter, tout ce qui peut gravitationner autour d'une pellicule, carte SD, enfin bref, peuvent être abordables. Jusque là, moi ça me semblait assez clair en fait. A partir de là, libre à moi de parler de Photoshop, de Lightroom, de bidouilles à l'intérieur de l'appareil photo, de trucs qui n'ont rien à voir avec la photographie en elle-même mais qui a un rapport avec l'image. Je m'étais jamais posé la question de savoir si c'était clair ou pas. Et là où j'ai commencé à me demander mais si je m'étais pas foutu à moitié dans les ronces ou n'importe où, c'est quand sur un des lives de Sébastien Royan, qui faisait un live retouche sur Twitch, qui m'a posé la question, mais où se trouve le positionnement de ta chaîne? Et quand il m'a demandé ça, je me suis dit mais merde, putain, si c'est pas clair pour les autres youtubeurs photographes de la plateforme, comment est-ce que ça peut être clair sur, envers le public, envers d'autres personnes? Enfin, j'ai dû choisir les mauvais mots, les mauvais termes, ou alors j'ai pensé ici et en réalité je vais là, mais il y a un truc de pas clair dans mon histoire. Putain, il y a un chevreuil, il y a un Bambi. Il m'a vu, il m'a senti. C'était pas du tout prévu, j'ai essayé de le filmer. Ah putain, il se barre. Attends, je pense qu'on va le voir. Là-bas. J'adore tourner dans cette forêt pour la fun fact. Pour l'instant, j'y ai croisé tout un groupe de perdrix, 3 écureuils,
un chevreuil, et je suis sûr qu'il y en a un là-bas parce que j'entends du mouvement là-bas. Il y a aussi du blaireau et du renard. 6.5 hours later. Enfin bref, on n'est pas là pour faire une vidéo animalière, je suis pas là pour piquer le contenu de Naturanium. Et du coup, je sais plus du tout ce que j'étais en train de dire. Oui, si, j'étais en train de dire si le contenu, enfin si le fil rouge, si le positionnement de ma chaîne n'est pas clair pour d'autres photographes de la plateforme, comment est-ce que ça peut être clair pour les gens? Et du coup, comment ça peut forcer le clic sur la chaîne ou l'intérêt que peut porter la chaîne? Enfin, je me dis, mais merde, si ça se trouve, les gens, ils débarquent là-dedans, ils savent pas de quoi qu'on cause, de quoi qu'on parle, et si ça se trouve, c'est ça qui fait l'erreur. Et en cherchant, je me suis trouvé tous les contre-arguments possibles et imaginables, ce qui m'a fait, encore une fois, me poser la question, pourquoi? Donc voilà, on est retour au point mort. En plus, est-ce que le contenu est trop technique? Bah, le souci, c'est que je fais presque plus de technique du tout, et en vue de la dernière vidéo sur comment streamer avec son 5D, j'ai bien vu qu'il y a des personnes pour qui ça intéresse beaucoup la technique, donc ça peut pas vraiment être ça. Et puis quand on regarde sur d'autres chaînes vraiment purement technique, à savoir, je sais pas moi, la taverne de John John, Electronic Earth, ou encore Monsieur Bidouille, et encore il y a une mention spéciale pour Monsieur Bidouille parce que lui, il est marrant. Je dis pas qu'on se fait chier, parce que moi j'adore son contenu, enfin leur contenu, mais c'est pas drôle quoi, c'est pas drôle. Et c'est purement de la technique là, ça a rien à voir avec la photographie, mais c'est de la technique de ouf, donc ils ont des milliers d'abonnés, donc c'est pas ça. Peut-être l'humour de la chaîne du coup. Alors pareil, j'ai posé la question de ces deux-là, et ils ont tous été unanimes sur le sujet. Ils m'ont tous dit, ne change rien. C'est ce qui fait, entre guillemets, l'essence de ma chaîne, c'est ce qui me démarque des autres. Alors si je vire le côté complètement farfelu et what the fuck de la chaîne, y a plus de full frame en fait, c'est plus du full frame, c'est autre chose, donc autant faire autre chose. Enfin, vous voyez. Et du coup, c'est chiant, parce qu'à chaque fois que tu te poses la question, mais y a rien. Y'a rien, y'a pas une putain de réponse à cette question YouTube. Tu nous emmerdes. Ouh là là, trop d'émotion. Si bien que, même si le contenu du coup était toujours présent sur ma chaîne parce que je me suis vraiment donné un bon coup de pied aux fesses pour faire ce que je fais à l'heure actuelle, bah l'envie de juste passer à autre chose commençait vraiment à se faire ressentir, et j'étais même en train de me dire que bah si à la fin de l'année il n'y a pas un pet de truc qui s'est passé en plus sur la chaîne, si ce n'est le contenu, est-ce que ça vaut le coup d'aller plus loin en fait? Est-ce que franchement je gaspille pas mon énergie d'une certaine manière? Est-ce que en fin de compte je fais pas tout simplement de la merde? Et puis bah voilà, qu'on se le dise, franchement voilà, est-ce que Full Frame n'est pas juste une chaîne de merde? Et tant pis, ça arrive, voilà. J'ai donc fini en boule dans un coin, mais c'était un coin bien propice à ma situation car il s'agissait du coin des youtubeurs. Big up à Sylvain. Quand on fait le S comme ça là, ouais. Pour voir en fin de compte où est le problème, parce que c'est pas normal. Le watch time est bon, le ratio pouce bleu pouce rouge est bon, la communication, le chat, il est parfait. Yeah. Qu'est-ce qui ne va pas sur cette chaîne? Eh bien la réponse est toute simple. Je fais absolument rien de ce que me demande de faire YouTube en fait. Voilà. C'est-à-dire que en gros, pour faire simple, YouTube bah, met tout simplement en avant les personnes qui font marcher ces algorithmes, qui font marcher ce que YouTube a envie que tu fasses marcher. Que tu fasses de la merde intersidérale ou un contenu magnifique, alors je me positionne dans aucun de ces deux parties, hein, mais bref, que tu fasses du contenu parfait ou de la grosse chiasse, YouTube, il s'en branle, mais il s'en fout, mais d'une puissance! Pourquoi certaines personnes font des vues hallucinantes en filmant de la merde et en filmant peut-être avec des caméras de merde, avec un son de merde, enfin, qui font de la chiasse intersidérale mais qui se retrouvent au plus haut? Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'ils jouent le jeu de YouTube. Alors moi, jouer le jeu de YouTube, je me disais faire des titres putaclic et faire des miniatures un petit peu racoleuses et faire 2-3 trucs par-ci par-là, hein, je veux dire, c'est tout con. Mais non! Ça regroupe toute une liste de conneries, ça regroupe une checklist assez hallucinante de petits trucs, c'est que des petits détails, mais le petit détail qui fait jouer la roue crantée, qui va en faire tourner une autre jusqu'à ta chaîne à toi, qui va faire tourner, peut-être même à décoller. Donc si de votre côté vous êtes en train de monter une chaîne YouTube et que vous êtes intéressé à savoir comment ça se passe à l'intérieur même de la plateforme, je vous renvoie directement sur la chaîne Le Coin des Youtubeurs. Sachez juste que c'est pas simple. Mais du coup, ce qui fait défaut à ma chaîne en fin de compte, bah c'est la chaîne elle-même. J'aurais beau me casser le fion à vous faire du contenu de qualité avec un son de qualité, à passer des heures et des heures sur Premiere, à essayer de télécharger des plugins de ci, de ça, d'images, de son, si je ne joue pas
dans le jeu de YouTube, bah je suis éliminé de la partie en fait, hein, c'est pas compliqué. Et si vous voulez, pour 2019, moi je commence à avoir une bonne niaque, parce que, comme je disais, le 15 janvier 2020, ça fera 5 ans que la chaîne existe, et j'ai bien envie de lui sortir les 10 doigts du cul à cette chaîne quand même. Mais à partir de maintenant, le but du jeu va être de respecter les règles du jeu YouTube. Et d'une certaine manière, vous allez pouvoir m'aider. Qu'est-ce qui va se passer du coup au niveau de la chaîne? Eh bah, vous, de votre côté, dans un premier temps, vous n'allez pas voir grand-chose. La seule chose pour laquelle je vous mets, pas en garde, mais que je vous préviens, c'est que les prochains temps sur la chaîne, les prochaines vidéos, seront peut-être un poil moins chiadées, pour la simple et bonne raison que je vais devoir gérer toutes mes vidéos sur la chaîne en interne. Je vais en sorte devoir me retaper toutes mes miniatures, je vais devoir me retaper toutes mes descriptions, tous mes liens, les épinglages de commentaires. Alors ce sont des choses qui dans un premier temps vous n'allez pas voir, mais c'est des choses pour lesquelles ça me prend beaucoup de temps et pour lesquelles bah, les prochaines vidéos seront forcément impactées. Parce que le temps que je n'investis pas dans des vidéos, c'est du temps que je vais investir en interne pour YouTube. J'aimerais bien vous dire que je vais sortir une vidéo par semaine, mais la vérité c'est que mes vidéos à moi, elles me prennent rien que pour le montage une semaine, sans compter le tournage, sans compter l'écriture. Donc c'est vraiment délicat ce genre d'exercice. Par contre, là où vous allez pouvoir m'aider, c'est m'aider à faire du contenu simple, rapide, efficace. Les tutos de base ont la position du tuto de base, d'ailleurs ça s'appelle des tutos, mais c'est plus de la vulgarisation qu'autre chose. Mais ces vidéos ont une position bien particulière, il s'agit de la vulgarisation, et je tiens à ce que ça reste ainsi. Les DSLR ont pris une forme un petit peu plus personnelle, je vous partage mon avis et mes sentiments par rapport à des choses données dans la photographie ou ce que je ressens par rapport à de la photographie. J'aimerais bien, pourquoi pas, essayer de lancer une petite série où je réponds à vos questions. Alors attention, il ne s'agit pas du tout d'une FAQ. Si vous me demandez où est-ce que j'habite, quel âge j'ai et quel type d'études j'ai fait, je ne vous y répondrai pas. Pas par méchanceté et que je n'ai pas envie de vous répondre, ça n'a rien à voir, c'est juste pour vous inciter à me poser des questions pertinentes dans le domaine de la photographie, ou ce que je pense d'une marque ou d'un modèle ou de telle chose, si comptez bien évidemment que je possède ce modèle en question. Si vous me demandez qu'est-ce que tu penses des trépieds Velbon, bah j'en possède aucun. Donc j'en pense rien. Voilà, la question, la réponse est déjà donnée. Là. Et si vous me demandez si j'aime manger du caca et si je joue avec mes proutes, pareil, j'y répondrai pas, parce que non, là, on va essayer d'aller de l'avant quand même en 2019, hein, on va essayer de... Hein. Ouais, voilà. Et ce qui inaugurera la première vidéo dans son genre, ça a été une question qui a été posée sur la dernière vidéo, à savoir sur le BenQ SW271. Mais merci mec d'avoir suggéré ce commentaire, je t'y répondrai en vidéo, bah du coup pour la prochaine vidéo. Et vous, si vous avez des questions, bah n'hésitez surtout pas à les mettre, tout ce qui touche autour de la photographie. Je vous rappelle aussi de la retouche, pourquoi pas, Photoshop, Lightroom, pourquoi pas de l'informatique ou du son, ça peut... Tout ce qui peut passer, selon vous, sur la chaîne Full Frame, mettez-moi ça dans les commentaires. Et bah si vous avez une réponse, c'est que je vous dirai que vous les avez sélectionnés ou pas. Voilà tout, donc en ce qui me concerne, moi j'ai bien compris ce qui n'allait pas sur la chaîne, bah il s'avère que c'est la chaîne elle-même, donc je vais devoir faire des petites modifications en interne sur la chaîne. Je tâcherai de faire en sorte de sélectionner les questions qui auraient le plus d'intérêt à vous apporter, vous qui regardez cette vidéo. Et on va espérer la faire décoller, cette putain de chaîne. Genre je sais très bien qu'on pourrait me dire, mais attends Florian, t'attends pas à avoir une chaîne de 200 millions d'abonnés sur YouTube en tant que photographe, je veux dire, c'est impossible, surtout pour un Français. Mais le but, c'est pas d'avoir 200 000 abonnés, c'est d'avoir assez d'abonnés pour pouvoir me permettre de vivre de ma chaîne. Je veux tout simplement avoir assez d'abonnés pour me décocher un petit salaire, même si c'est la moitié d'un SMIG ou la moitié de la moitié d'un SMIG. Je vais pas jouer au con avec vous. Moi, dans l'idée, j'aimerais vivre de ma chaîne, ou au moins dégager un revenu de cette chaîne pour me permettre d'en faire toujours plus. Ce serait le rêve ultime, ça. Et pourquoi l'année dernière j'ai cherché à atteindre le plafond utopique de 15 000 abonnés? Premièrement parce que les marques nous démarchent beaucoup plus à 15 000 abonnés, ce qui me permet de faire davantage de vidéos comme celle du BenQ qu'on a vu précédemment par exemple. Mais ça permet aussi, à partir de 10 000 abonnés, d'avoir une aide de financement du CNC qui nous aide tout simplement à faire nos vidéos, à avoir un budget, à avoir plein de trucs quoi. Mais pour ça, il n'y a pas de secret, il faut que je développe la chaîne en interne et que je fasse davantage de vidéos. Donc si en plus, vous pouvez m'aider à atteindre mes objectifs, bah, j'ai envie de dire, ma chaîne c'est la vôtre d'une certaine manière. J'ai envie que le fil rouge de cette chaîne soit reconnu comme une chaîne de divertissement qui parle de photographie. Donc ne soyez pas étonnés des opérations que je vais opérer sur la chaîne ces prochains temps. Donc je vous remercie pour vos messages d'encouragement et vos messages de soutien, ça fait toujours plaisir et c'est toujours un kiff. Quant à moi, bah du coup... J'ai du pain sur la planche. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Merci aux tipeurs, merci à vous, merci pour vos messages. Je vous fais plein de bisous et on tâchera de ne pas se retrouver dans la forêt. Allez, salut !